affaire où ils ont continué parce que dossiers en on a haute cour militaire affaire Mwanga Chuchu. Ben to mesani na Congo makambo bandaka et souka kananzela et si la kapenza bienté parce que ba congolais ba vivre ba scénario na wetali ba affaire judiciaire ébélé. Alors maman Candido Keke, est-ce que cette fois-là il faut quand même le dire filet à justice militaire est tombé l'icolo il y a un député national oyaza devant bazuzi aza kokoba kosamba. Est-ce qu'on peut se taper la poitrine le loto loba vraiment que toza na lolendo wana na fier wana na justice na biso que ejui quand même un député national pe baza kosambisa ye. Est-ce que tokoki koloba eza progrès pour na justice ya mboka na biso? Ndekoka longi concernant l'idée d'un éventuel progrès et à justice dans le cannabis du fait de l'arrestation de Mwanga Chuchu, parce que entre autres c'est un député du Parlement de la République démocratique du Congo. Je pense que rien que la situation auquel on est en train d'assister, les éléments aujourd'hui depuis arrestation il y a Tatana et Zola, c'est d'abord qu'il y a un sérieux problème qui peut justement nous faire réfléchir sur la question Oza proposé. C'est-à-dire, Mwanga Chuchu va abîmer Anna, Naoka qui d'ailleurs a zappé la nationalité Moussous, hein, apparemment américaine, et dans tous les cas, Naba Elemanyo Sotozomona, Toebik Aza Nae Rwandais. Et donc, la question maintenant, comment il s'est retrouvé dans ce Parlement-là? Gouvernement Nabiso Baeba quitté? Parlement Nabiso Bango Anande Bazana Baeba quitté? Et pourtant, on a entendu des témoignages, même Yaba. Bah, parlementaire Moussousou qui se plaignait enfin de tension au Ezana Est du fait que parlementaire Moussousou au Bazana Bazaki na Bazana milice na baron Bazaki entretenir là-bas notamment donc entre parlementaires soi-disant Tutsi et soi-disant Hutu mais qui sont dans le parlement congolais. Donc tout ça déjà est au lac, que nous avons des autorités, nous avons des soi-disant élus au Bisotunio Sotoibi que Baza en réalité nommé Oyo Bazana bango ba garde fouté pour na ba intérêt y a République démocratique du Congo. La preuve en est encore, c'est que na dossier y a Mwanga Chuchu, tozo mon alélo que oui, azana ba arme, on a trouvé des armes, on a trouvé un certain nombre d'éléments, mais il y a surtout le fait que Azaki Mutumoko ou Aza Argentier y a Kagame na katia mboka wana. Donc baza et belle liste abato bazu bambongo o Mwanga Chuchu azaki ko corrompre na intérêt ya Rwanda eza baza et belle ko banda ba militaire hein ko banda ba etumba ba nani ba bango moko ba Rwanda mususu ba côté la biswana ba bisengimana ba nani Robert Roy ba Bizima Nyarugabo na parmi ba militaires na biso eza na ba mususu yo ba mbala na bidmo déjà Etumba Tango Fort parmi ba mususu susu ba personnalité mususu beaucoup ta nani ba bato ya UDPS ba cadre ya UDPS ba haut cadre hein eza la ye moko papa Tshisekedi ye moko Félix Tshisekedi Obakisi Lisusu Bakabuya Bakabunde etc la liste est trop longue. Alors avec ça vous vous rendez bien compte que Mwanga Chuchu ndenga komiana, comment vous voulez qu'on rende réellement justice? Donc là bakangiye ba élément ezobima mais na minute bazo tsala tout batala ndenge nini bako étouffer makambu susu hein o eza ko ressortir à travers il y a dossier il y a Mwanga Chuchu. Donc c'est maintenant qu'on va savoir si réellement il y a une justice. Mais bon, moi je vous dis, il faut vraiment pas se faire d'illusions. Bana bazo luka ba stratagème yemoko Kagame azo tia pression sur Félix pour que a libérer Mwanga Chuchu a outiko leka par le président Sassou. Hein, pas plus tard qu'aujourd'hui, et à Outikoleka Lissousou par Nini ambassadeur ya Belgique na Kinshasa, Oyo Félix Tshisekedi ya Koutanaki nae en Katimini en secret, à l'équipe donc Nicolas Sarkozy au Bayakuana, c'était déjà ça. Et pour vous dire à quel point Kagame est désemparé, Aza en panique par rapport à dossier Mwanga Chuchu, à Komaki même Kosenga na Félix Tshisekedi, si possible, va trouver stratagème pour échanger
Mwanga chouchou nanani na kunda batoa. Donc là, je pense que les Bangomoro bah, Rwandais ils vont apprécier. Hein? Donc, puisque oui, bah, milice, il est prêt à lâcher Batumsusu pour n'a pas libérer Tatana. C'est pour vous dire à quel point ce dossier-là est vraiment important. Et pour cause, bah, élément au Bazui, Binomoro et cela, c'est effectivement, c'est vraiment une grosse prise. Mais est-ce qu'en Azoïb Sabino, que je ne crois pas en la justice en République démocratique du Congo par rapport à ce dossier? Bah, pour l'instant, comme peuple, Aza vraiment vigilant, Bazo l'andela peu dossier wana, Félix Tshisekedi dina batunaye, Baza obligé basala au moins semblant que oui, ils sont en train d'essayer de suivre la procédure judiciaire. Mais dans tous les cas, Ezana Babilo Moussousou Bango Baokoko Bimisate. Parce que déjà, arrestation Manga Chouchou, Moutou Bazo quand ça peut-être que va service Nabiso Moutouba commis plus performant. Non, et où t'es pas bas service Nabisota. Et ça, et Babiloko, bon, on a encore un détail, Moussousouté, mais ça, Babiloko et Salami, mais grâce à Batoumoussousou, et puis, et ça, là, que ça peut que bah, tension, et ça, entre Bangomo, Batoyo, Baza derrière déstabilisation en République démocratique du Congo. Évidemment, quand ils sont en train de se régler des comptes entre eux, on va quand même pas les aider. Hein? Donc, bah, pour Tana, c'est tant mieux. Mais il faut garder tous à la trop vigilant sur le fait que Mwanga Chouchou a bougé, t'es à tirer la carte en prison. Là. Et c'est là où Félix Tshisekedi dit pour l'instant, moyen n'y gagne pas. D'autant plus que Naba élément, on va trouver Kouna. C'est vrai que quelque part, lui, même sur Guillermo Galia qui bambon et Mwanga Chouchou, mais Guillermo Pé a menacé. Donc, voilà, les gens se retrouvent, il y en a beaucoup dans ce dossier qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Et ben voilà, donc la justice en République démocratique du Congo, il faut quand même pas se faire d'illusions. Je vous ai dit tout à l'heure au début, notre pays est occupé. Donc Bato, Bazawana, ils sont pas là pour faire respecter ni justice ni les intérêts y a peuple congolais. Ils agissent par rapport y a intérêt y a Bato, Bazalibanda. Et donc c'est à nous d'être vigilants plus que jamais. Voilà, na tika la toujours na dossier na ya Mwanga Chouchou pour la koloba. Évidemment, tozo ka ba commentaire partout, ba fungoli coffre fort ya Mwanga Chouchou, ba fungoli coffre fort. Na ébité information ni oyoyo zana yango, évidemment zana ba réseau na yo, il y a ba information et loko nini yo kokoye ba par rapport na likambwana ya coffre fort ya Mwanga Chouchou, sokeze solo. Ba fungoli coffre fort na ye finalement après je crois plus de 5 heures de temps ndenge tozo kana ba commentaire. Alors biloko nini bini, est-ce que c'est une vraie information? Toutes les informations il y a lokuta. Ils ont effectivement réussi à ouvrir le coffre fort de Mwanga Chouchou, mais je pense que l'info à ce stade a beaucoup circulé déjà dans les réseaux sociaux et tout ça. Et dans les éléments onganazu en tout cas, ce que je pense qu'on peut retenir d'essentiel dans ce qui a été trouvé, et ça, son ordinateur avec toutes les infos qu'on a pu trouver, à savoir ni bah, liste, il y a acteur. Hein, bah, combo, il y a bah, acteur Mingi, il y a Obaza impliqué dans le processus, il y a balkanisation, préoccupation à la République démocratique du Congo. Donc tout le travail, il y a qu'au déstabiliser Bissot. Mwanga Chouchou s'avère être un acteur clé, il y a opération Wana. Et ben, forcément, Nabilo Konaya Zalagnango, ben, on trouve beaucoup d'informations à ce sujet. Il y a aussi, donc forcément aussi le plan, il y a balkanisation, il y a Mboka Bissot. Donc on va retrouver bah, éléments. Il y a plan anan, il y a quatre, il y a bloc au isaïe na coffre nae, bah transactions financières, bah information sur les transactions financières qu'il y avait par rapport au fait que c'est lui qui était là aussi pour nous refinancer, bah milice oyo rwandaise où ils ont coopéré notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a aussi des transactions financières concernant bah, achat d'armes. Bon, hein, comme vous avez pu voir, il y avait tout un arsenal où on va trouver la propriété. Nae. Et ben, voilà, il y a des éléments sur ces achats-là. D'ailleurs, à ce propos, il y a un élément qui est nini. Et puis, tenant compte aussi, il y a bah, confession, nae, moko, puisque Mwanga Chouchou est déterminé à ne pas couler tout seul, donc il parle beaucoup. Et donc parmi les infos qui ressortent un peu de tout ça, c'est que il y a aussi bah, éléments sur bah, achat d'armes par Zoé Kabila na poto.
Toujours en complicité avec Manga Chouchou, mais je le redis ici aussi, Joseph Kabila évidemment n'est pas le seul à être complice pour les achats d'armes et l'armement Bazaki Kotinde de la milice rwandaise où ils ont coopéré dans l'Est et la République démocratique du Congo. Joseph Kabila est très impliqué, Moïse Katumbi aussi est impliqué là-dedans. Donc à part ça, il y avait des archives sur informations sur plusieurs assassinats qu'il y a eu de Congolais en Burkina Faso, notamment il y a assassinat il y a Mamadou Ndala, assassinat il y a Bauma, assassinat il y a Mpunza Mabé. Hein, là aussi, on se rend compte que Manga Chouchou n'était pas étranger à tout ça. Donc, c'est vraiment une mine d'informations au il y a gouvernement, il y a cour militaire, trouver dans Katia, il y a coffre-fort. Ce n'est pas étonnant que Manga Chouchou ne voulait pas coopérer pour l'ouvrir, puisqu'il savait très bien que là-dedans, voilà, c'est un peu. C'est tellement flagrant, ces actes criminels, qui peut vraiment pas en réchapper quoi. Nakatipuna donc il y avait toute une liste il y a bateau il y a corrompre na donc des nazaroloba aussi bien Nakatiambo Kanabiso donc confession religieuse militaire politicien mais aussi bien aussi na acteur au niveau international donc tout ce qui est multinational on a dit des chefs d'État et d'autres acteurs comme ça au niveau de l'international et tout donc voilà, c'est un vaste, vaste réseau que Manga Chouchou Azaki a géré pour la compte il y a Kagame na Rwanda et contre la République démocratique du Congo. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup d'infos qui circulent mais à ce sujet. Mais Lokonga n'a quand même pour insister là-dessus et je vois que apparemment, pour info, c'est que forcément, c'est eux-mêmes un peu autour de Félix Tshisekedi au bazar pour permettre certaines fuites. Mais évidemment, ce sont des fuites qui sont assez orientées puisque on n'entend pas trop le fait que Yemoko Félix Tshisekedi a zappé éclaboussé par cette affaire. Par contre, oui, c'est vrai que dans ce qu'on a trouvé comme élément, Nakati à coffre-fort, il y a aussi des informations sur un projet il y a qu'on neutralisait Félix Tshisekedi, Yemokopé. Donc voilà, il était complice, il s'est fait financer par Manga Chouchou et tout, mais en réalité, Manga Chouchou travaillait, Azaki qu'on travaillait sur projet il y a élimination, il y a Yemokopé Félix. Donc voilà, dans tous les cas, Bango Nyoso. Quand je dis autorité, dans le Parlement, dans le gouvernement, dans la présidence, ils étaient complices de Manga Chouchou. Parce que, comme je vous ai dit, Abandi coopérait, Azam qui déjà à l'époque, RC de Goma, CNDP, Azaki à la tête de la CNDP, Azalaki sénateur déjà à l'époque, il y a Joseph Kabila enfin, en 2006, Azaki sénateur, après avec Okoma député en 2011. Et encore député en 2018, dans l'élection, il y a 2011, il y a 2018, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a commencé tôt. Donc tout le monde avait largement le temps, en tout cas la possibilité, le bateau, le bazar, la bazar, il y a le parlement, ou même le service, la bus et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui avaient quand même largement la possibilité de se rendre compte que c'était un agent, un des meilleurs agents, sûrement, il y a Kagame, Nakati, Mboka, la bus. Mais il y a des gens qui ont laissé faire, il y a des gens qui sont laissés corrompre. Et c'est là où, du soba congolais, il faut tous à la vigilance, tous à la exigeant. On doit savoir exactement qui a fait quoi, hein, et qui a fait quoi et avec qui et notamment avec Manga Chouchou. Ce n'est qu'à ce prix-là aussi qu'on pourra éviter des erreurs du passé et puis ne pas continuer à évoluer avec des gens qui ne sont pas fiables, tout simplement, pour l'ambourganapisson. Voilà, aujourd'hui, mon tout d'un mot ça par rapport à la situation, il y a Est, il y a RDC, qu'on a constaté, au Togo, qu'au Benga, dans le poteau, surmilitarisation, parce que, troupes, ils accueillent, il y a Mboka ébélé. Alors, est-ce que, Congolais, Koki, qu'au Banga, y a-t-il raison, il y a qu'au s'inquiéter, justement, n'a arrivé, il y a troupes étrangères, au Bazakoya, na Est, il y a Mboka Nabisso?
Merci de effectivement, quand on voit ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, je pense, et comme beaucoup d'autres sûrement, que oui, bah, les Congolais devraient s'inquiéter. Pourquoi? Parce que bazo sopelabiso ba troupes et belé, hein, mais makamususo et sengere ko sala pona ko sécuriser musala ou ezo sala makuna ou bien ba population abiso tozo mon angote justice et zate, hein, donc ce qui fait que ba criminel mingi au baza ko opéré na région des Grands Lacs depuis au moins 2 décennies baza kakawana bazo tourner ka bazo tourner ka ba Laurent Kunda ba obo ba komsu baza ko ka ba Mutebusi ba militant ya ba Rwandais wana et tout ça ba baza kakawana et puis ba bandi le loté. Alors donc oui bazo, donc on a des milices qui sont là. Mais bato et baza sont censés ko neutraliser bango, on se rend compte qu'en réalité baza ko s'inscrire dans l'agenda Moussous. Ce totali makambo na angle na biso tozo mona ke ça va pas, mais tozo ko mona siko ke non, ce totali makambo peut-être na angle Rwanda wana nde tozo mona clair, parce que ba acte mingezo eza ba o eza ko sala mawana eza plus n'avantage à Rwanda. Donc ça donne quoi par exemple? Ben, rapport Mapingo, ONU, Bimisaki, na kati kuna ba cité 3 armées au baza impliqué na ba tuerie et tout ça, et pas na biso na pillage et tout. Donc ils ont armée à Burundi, armée à Rwanda, armée à Ouganda. Mais comme par hasard, bazo sopé la biso sous ces mêmes armées là na canal ya EAC, hein, alors que baza bato bazaki épinglé comme des armées criminelles en fait, en quelque sorte. C'est comme si donc du coup la communauté internationale bandimi que déverser les bisso criminels déjà lobby lobby. Donc on renvoie les bourreaux sur la terre de leurs victimes, et sans les avoir identifiés, sans avoir éventuellement extirpé de leur rang ceux qui avaient déjà commis des exactions. Non, bazo sopa bango kakaboué, et puis balingi ko sanctionné Rwanda te, bazo condamné Rwanda du bout des lèvres. Donc wana ezo talisanini, eza ke mokil mobimba, en général, majorité na bango, baza na bango complice à Rwanda. Alors, cette surmilitarisation, donc quand on connaît un peu cet agenda, on a des éléments, o eza ko laksa agenda réel, ya batwana, o eza ko kene plus na sens, ya ko occupé, pe ko balkanize, mbo kanabiso, forcément, et c'est là qu'on comprend que bah oui, et ça pour na ko ça en sorte que biso to ko ka susu ko se défendre te ko défendre ma belé na biso suffisamment te, et que bango bas à en position de force pour que ko s'accaparer ba ma belé wana. Et donc forcément là il y a de quoi réfléchir à deux fois sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et surtout que là on apprend aussi que français faut accompagner ceux qui aident humanitaire au bazo mais makuna non voilà soda et belé ça fait plus de 2 décennies, hein, net MONUSCO ils sont là avec un budget de plus d'1 milliard par an, mais solutions sont makakaté, et pourtant ce sont des zones souvent enclavées. Et bango toutes ces troupes là qui viennent là avec pour la plupart, enfin pas je parle pas seulement des milices mais les autres troupes qui viennent là avec l'accord souvent de la communauté internationale, voilà, on ne peut pas comprendre qu'ils n'arrivent pas à neutraliser ces quelques milices qui sont là, qui sont d'ailleurs une fabrication de Kigali. Donc Bayebi très bien dengenini Kigali aza coopéré, mais résultés au monde en akakate. Donc en réalité batonanyoso baza na agenda mususu. Donc ceux qui biso ba congolais to télémité bango ba continuer na agenda na bango oyo eza na agenda ya Kigali. Yango bazo condamné été parce que Kigali Rwanda ezo sala la bango musala. Donc tant que biso to télémité feuille de route wana et bando continuer kaka na misu na biso boy. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce problème de surmilitarisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, de Sakimbanza, Julie Soussou Maloba pour la question Moussoussou. Voilà, et c'est un matin Moulaï, Simacho Kitundu, Kengo Adondo, Zakari Barabaswe et tant d'autres noms cités. Lelo, confrère Nabiso, Christian Bosembe, confrère journaliste, président Yasesa qui est la République démocratique du Congo, Lelo, à sa victime et agression. Précisément la France. Donc voilà. Alors, est-ce que vous pouvez avoir une impression par rapport à la situation où il y a et Sali, le Congo démocratique qui passe? Vous pouvez avoir une impression. Et puis, comment faire
comment faire pour améliorer les relations entre les du pouvoir en République démocratique, donc on peut autorité, na bino bayi diaspora, parce qu'on se le dise, c'est depuis un moment donné qu'aura ils a vraiment mal à monter. Alors, peut-être que ce proposition non, pour que bayi diaspora, bayoka, peut-être conseil non, pour qu'on coupe ça, autorité de la République démocratique du Congo, les ça m'a aidé pour que porte fond un peu ma commission et le climat est quota et son amalam de l'équilibre. Merci. Voilà, Bandeko, pour Ndeko Dosta par rapport à Mutuna Nayo, ma personnalité, n'a pas coupé cet exemple au bazo poser problème dans le sens où Baza Bateau, Baza Nakati, il y a une institution à Bissot. Vital Kamerhe en ce moment, vous savez le poste qu'il occupe, Nakati à gouvernement, celui qui se fait appeler Joseph Kabila, vous savez quel poste il a occupé pendant longtemps, mais il est toujours. Actif indirectement au sein de l'institution Nabisso. Nani, le cas Azaria Sourbeiroa, vous savez qu'il a été vice-président, etc. Il a été aussi dans le gouvernement. Donc, et ce sont des gens qui continuent à jouer un rôle important, même indirectement, au niveau de la politique, il y a Mboka Nabisso. Mais tous ces gens-là, Baza Bayajan, il y a Kagame. Baza Bayajan, il y a Rwanda et pas Nabisso. Par rapport à la biographie Nabango, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, et puis ce ne sont pas les seuls éléments. Je peux vous rajouter comme ça, Sobozu Mutoko, Azarias Rubero, Abatmusuba, qui est comme responsable ou président étudiant rwandais dans Lubumbashi, Eskazaki Kotanga, Bizi Makara, Bamsusu, donc Azalaka, président Papang Bwanda, et Moura Salara témoignage, l'Arakenda Kosala conférence en Afrique du Sud, il avait été présenté, il était intervenu, donc Yé Bizima, comme président, il y a communauté rwandaise là-bas, ou président étudiant rwandais Pekuna, donc un responsable, il y a un représentant, il y a rwandais, Nakat, il y a Afrique du Sud, et ce boke, beaucoup de coups, même Vital Kamerhe, il semble qu'il y ait peu na nini na. Et Sikazaki Kotanga wana na Kinshasa, il a aussi été un représentant, il y a étudiant rwandais kuna. Soki Bozuli Susuka net, il y a Matata Ponyo, on l'a dit, je le redis ici, hein, il était, nani témoignage, il y a ancien premier ministre Nabiso Lunda Bululu, quand il était premier ministre donc, au début des années 90, à Yambaka, Matata Ponyo, à la tête d'une délégation rwandaise, donc en tant que un représentant à Rwanda comme diplomate, etc. Donc, par exemple, c'est Bélé Sobozu, même Kikaya Bin Karoubi, Yepé, donc ça aussi j'ai un témoignage audio, Yamuto O Yemoko à Yebisaka, il a des origines rwandaises lui aussi. Et d'ailleurs, Kikaya, là, au moment où il y a CNS, Azaki parmi Rwandais, Oyo, Bazaika écarté. Parce que au niveau il y a conférence nationale souveraine, Rwandais, enfin ils ont tenu compte du fait que Rwandais Koukaki qu'au faire partie de l'institution, il y a un bouc en abyssauté. Donc certains qui étaient là, qui étaient un peu infiltrés, on va dire, avaient été écartés, etc. Donc il y a des cas comme ça, Ebélé, il y a Bateau, il y a Bazanakati, il y a l'institution en abyssaut. Hein, donc on pourra encore revenir, double nationalité, etc. Et tout ça, soi-disant double nationalité. Alors que Bissau, dans la République démocratique du Congo, même à l'époque du Zaïre, on n'a jamais accepté la double nationalité. Mais on a des gens aujourd'hui, Nakati, à Parlement, etc. Bazanakati, nationalité, Moussousou. Mais quand ils parlent, quand ils sont censés défendre certains dossiers, à votre avis, ils défendent plus la RDC ou ils vont défendre plus d'autres pays ressortissants? Et surtout, le problème, c'est quand les gens cachent leurs origines, quand il y a comme ça autant de contradictions et que ce n'est pas relevé, ce n'est pas sanctionné, hein, on n'en tient pas compte. C'est pour vous dire que quand on vous dit que Mboka Nabisso est occupé, c'est ça. Hein? C'est-à-dire que côté Libisso, et de manière à ce que contrôler l'institution Nabisso en se faisant passer pour des Congolais. Donc on a intérêt à bien à être beaucoup plus vigilant, hein, à bien vérifier justement origine Nabatou. Nandenga Mabete, et ça que oui, celui qui pourquoi vouloir cacher ses origines, et surtout quand il y a autant de contradictions, et surtout avec la situation qu'on vit à l'Est aujourd'hui, Tuzan a un problème particulier na Rwanda, qui est un des pays qui est stigmatisé, même na Katia rapport mapping troupe Nabango Baza stigmatisé comme Bato Bayaki Kobome pa Nabiso, Ouganda c'est pareil, et tout ça. Donc mais là, ça c'est pour par exemple on a PCB pour Naba Baza déjà dans la carte d'institution. Mais on a aussi ceux qui veulent
intégré ces institutions. On peut s'appeler un exemple comme Soussou. Il y a docteur Denis Mukwege. Docteur Denis Mukwege, il y a un faux onga dans un réseau, il y a un papa qui est dans un réseau. Docteur Denis Mukwege, maman naye aza Hutu, burundaise. Nani papa naye aza Mushi, en tout cas, au moins une partie. Il y a une branche, on est en train de vérifier. Mais en tout cas, aza, effectivement, aza na makila, il y a ba Mushi, donc son père est au moins moitié congolais. Et mais à côté de ça, donc le problème aujourd'hui c'est que Bazo Bomba, ba origine naï. Et je vous mets ici l'exemple, il y a un de ses soutiens qui avait fait une intervention pour que non voilà ba origine naï, nous c'est dans la livre naï, mais yemoko la personne donc monsieur Odimba a benga kanga après avoir fait la vidéo au nazo lexela binosiko yon de kokalondi a benga kanga après cette vidéo pour que yebisanga que non yemoko ke ko vérifier dans livre ya docteur Mukwege a tikali komona ba origine naï été ndenge bango moko ba collaborateur msu sa Denis Mukwege ba yebisaki bon zo mona même ba photo naï monsieur Odimba il a été reçu dernièrement na ba Fali Poupa na Élysée azara souvent Nous sommes bien en Paris, car il y a un soutien à Denis Mukwege. Mais je vous dis, Bolanda vidéo nae, Bolanda dengazoloba que bah origine à Denis Mukwege nous c'est un akati à livre, mais yemoko a bengangai pour na koyeb sanga que non, ils en akatité pour avec qu'on vérifie en gros après. Donc voilà, bota la vara binongo, suko bazo bomba ponani. Hein? Nous on est africains, bison stoyeb dengazala, suko bomba origine nous ponani. Un africain normalement, on est fier de nos origines. Hein? Le parler de nos origines, ça n'a jamais été une question de tabou pour les Bissau africains, surtout Bissau, tout dans la culture orale, au Ezarake, ben oui, au Kende Boyla, tout ça qui est banamiki, au Kende Boyla, tu es l'enfant de qui? Depuis quand tu es au Bangakoulba, de qui nous sommes les enfants? Non. Il y a un problème. Donc, il faut absolument qu'on vérifie, sans compter que, Batumsous, Boromona, qui est dans l'environnement, dans Bango, Moto et moi, Sinae, Aza Rwandaise, Aza Tutsi Rwandaise, le cas de Batlokola, Bananyoyo, Bakatumbi, ou même Yemoko Denis Mukwege, moi, Sinae, Aza moitié Tutsi Rwandaise, hein, Madame Kaboy, Madeleine. Donc, Batumbi, si vous assurez que si jamais par hasard, hein, ou bien, si vous êtes dans le pays, même par problème d'origine, ce qui va commis, ce qui va commis, vous assurez que Bango va causer un problème pour traiter le dossier à Rwanda. Évidemment que oui. Et surtout quand on voit déjà des éléments comme cela où tout le monde, il y a des zones d'ombre entretenues, dans la biographie de Bango. Le cas de Moïse Katumbi, c'est pareil. Hein? Bah, origine, par contre, dans les réseaux sociaux, à l'époque, il y a Papa Ngwanda, concernant Moïse Katumbi qui évoquait les origines tanzaniennes, en tout cas la nationalité tanzanienne, il y a Kabila, il y a soit celui qui se fait appeler Kabila, mais il y a Moko Azape, par rapport à l'origine, il y a le témoignage d'un de ses oncles, zambien. Il y a beaucoup sans compter bah témoignage naïe et puis bon il y a plus papa naïe Azaki Azai Mundele donc voilà il y a d'autres aspects on ne discute même pas mais le fait est que Azai n'a même pas la maquila bah congolais hein. Donc parce que son oncle zambien c'est justement du côté de sa mère donc élément autre Bimsabino du support la Bimsabino que effectivement on a besoin surtout dans le contexte au Toza Nango au Toza déjà un pays occupé pe bazo continuer qu'au côté c'est la biso bah par exemple bazo qu'on injecter pour que contrôler de plus en plus l'institution d'Abisso, on est obligé de mettre des garde-fous autant que possible, ne fût-ce qu'en attendant tout libérer Mboka. Voilà Ndeko Dos ta réponse en gros sur les amours Moulaï, mais c'était vraiment pour que Ndeko Mingi, comment on a un peu Kokosoni Tozan en Kati et pourquoi on doit être beaucoup plus vigilant, mais pour Nabisso, Bangwandis, pour Nabisso, résistant, il faut balayer tous ces gens qui sont là parce que beaucoup qui, quand même, pas à la table, Moutake na élection, a voté Nani Fayulu comme président. Bon, à qui nous bimisa député Moko Oyaza Aza Moutoua Kabila parce que c'est ce qu'on vous a mis là sur la table, mais c'est pas possible. Et bota la carasso bota li na ba événement mingi ma kam mingi ba congolais ezo ke crescendo parce que prise de conscience par rapport à l'occupation et en Mboka na biso ezo ya de plus en plus. Donc les gens se rendent compte à quel point ils ont floué, ils se rendent compte à quel point ma belle commis déjà kokende. Donc moto azo salé là ba occupant ou bien moto azo sunga ba collabo le quoi ba Félix pour ba soit régime na banque etc. Boye ba ke ba tona nyoso ba kozana ba problème na ba congolais. Et les Congolais avec qui ils auront des problèmes, ce ne sont pas forcément les Congolais au Bango Bayebi, ce ne sont pas forcément des Congolais au Bazaka Kalibanda, et vous appelez les Congolais au Bazaka Katiamboka. Et là, ce sera encore autre chose. Donc voilà, je pense que la meilleure solution, c'est de régler le problème. Il faut mettre fin à l'occupation de la République démocratique du Congo.
Voilà, toujours la question, peut-être Yasukawa, avant-dernière question. Finalement, RDC na diplomatie nango na président Tshisekedi bazomo na mukili mobimba pour na dossier ya instabilité na est, mais certains observateurs estiment que République démocratique du Congo donne l'impression d'être un pays isolé, c'est-à-dire tout ce qu'ali biso moko mutaro kote la biso azate mwana mawa loboko na litama. Alors, que faut-il faire justement pour to longwa na situation wana, pour to remédier justement na situation ya isolement oyo ezo pesa loko l'impression to zanakati. Deko kalonji o muke na koko loba concernant cette impression ya isolement oyo ezo constaté par rapport ya biso République démocratique du Congo et à juste titre, puisque dans la situation dans laquelle on est, avec les massacres, les millions de massacres qu'il y a eu chez nous, toute la déstabilisation, en tout cas, surtout le désastre humanitaire, Tebele, Bazoukou, fait pas Nabiso, mais Mukilimo Bimba, Bazoubou, a sanctionné Rwanda. Donc, ils ont commis Bisso Moko, effectivement. Mais il faut tout n'a pas la ligne, Batoumsou, Bakoumi, pour réagir. Le problème, c'est que Nango Makasi, Awa, c'est que Mukilimo Bimba, Bazan a besoin de quitter Nabiso. Congo, ils ont beaucoup de mokimo mbaba sengeli nango quelque part, mais ba sengeli forcément la congolais était, et d'autant plus que toza peuple moko ou azo bimane qui faible, tozo bima faible pour nani, parce que na minute yo bato bazo konza mboka wana entre guillemets baza bato au pouvoir na bango bazo qui ont pas peuple congolais était bazo yango na Kigali via Kingakati. Ça veut dire que ce qui va tenir sur Balingi va traiter Nambuka Nabiso, puisque on a un régime d'occupation où ils sont contrôlés par Kigali, mais Mutupa traiter au lieu de traiter Nabino na Bakapito, Bachelbino Awa, à traiter directement na Bakonzina Bango, à savoir Bao Bazana Kigali. Voilà, et c'est ça qui fait que Bablo Mousouba au Kendo condamné Kigali Ndegeni, puisque pour Bazoua, au Bazan Angona Katia, au Ezan, au Tozan Angona Katia, Mbuka Nabiso, Bazan obligé va passer par Kigali. Parce qu'en réalité, c'est le Rwanda qui gère la République démocratique du Congo. Donc, si nous voulons que le reste de la planète va considérer Bisso, si nous voulons que le reste de la planète va condamner franchement et va sanctionner franchement le Rwanda pour ce qu'ils font chez nous, ben, écoutez, il faut Bisso Moko tous avoir un partenaire fort. Il y a une expression entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Eh bien, voilà. Donc, ça veut dire que chaque État. Et à la azo luka ko nini ko trouver ba intérêt na na ba relation ba cause en na ba mboka mususu, mais dans ce cas ça veut dire que bazana a besoin, il y a ba partenariat, mais personne n'a besoin d'un partenaire faible. Or, en étant dans un pays occupé, nous sommes des partenaires faibles, puisque souveraineté na biso na mboka na biso te so ba traiter na ba traiter makambo ezo concerner mboka na biso, faut pas qu'il n'est pas ba voisin neti na Rwanda wana. Donc ceux qui ont l'ingi, toi n'as pas considéré Bisso. Ceux qui ont l'ingi, toi qu'on a quoi imposer, point de vue de Bisso au niveau international. Eh bien, on doit s'assumer, on doit montrer que ce pays-là, il a réellement n'a beaucoup, il y a pas congolais. Et comme ça, nous, à quoi vous traitez Bisso? Pas les lois sur Bisso, c'est quand même bambou comme sous barre ou sous gabino. Mais gouvernement au Ezawana, au Yaba Chilombo et tout ça, bango moko baza complice à Kigali. Bango moko, bota la kaga, ba nomination, ba sali dernièrement, par exemple, pour la armée, baza ko tcha, ba kenay, pas dernièrement, avant ba tcha, ba nini, avant ba Jean-Pierre Bemba, yana, par exemple, so bota li ba acto Félix Tshisekedi a posé, ezakini, azo nomé ba tout, mais la plupart ba tona, baza soit ba Rwandais, soit ba tout ya Kingakati. Hein, bah congolais peut-être, mais bah congolais au bas au dépendre de Kabila. Donc tout le monde voit ça et on va se rendre compte que bah non, Bogoya pour Bobundisa bateau bas au agresser Congo, mais en réalité ni chef d'État, soi-disant chef d'État na Bango, il y a beaucoup de choses, bah décision beaucoup inconséquent, bah décision aux exposer beaucoup naï. Personne ne va venir mourir pour les Congolais alors que les Congolais eux-mêmes ne veulent pas se battre. Hein. Donc voilà, on doit régler le problème. Le problème, Félix Tshisekedi, c'est un problème. Il faut absolument que tout le monde aille, puisque Azan a pas faiblesse naé, Azan a pas acte mingi, moi n'a mboka ou ya solo ou Azan patriote ou Azan a pas lienté, Azan a pas pacté, Azan a pas décision sous soi, n'a pas déjà bandakala. Mais Félix Tshisekedi, le col Azan Mutoyo, a kenda ko zoa pouvoir naé na outu web, c'est noir pouvoir naé Azan kemona Kigali via Kingakati, bon se rappeler, Ibiza, Venise, Nice et tout ça, bisika Azako kende pou kobeta ba match naé na ba Kabila, etc. Donc Azan Mutoza na ba alliance, Azan a pas pacte, la preuve naé, outu ko tchelem no sous batoka ba caméra, aux hommes il y a quelque chose qui va pas. Moutazo posé ba acte à bouer. Nan bandakuna moutazo au sérieux zate. Donc voilà pourquoi tous les autres à la isoler.
un peu parce que bateau baza censé représenter peuple congolais baza bateau le bateau yo baza na libanda baza na considération la bangote et le fait que biso moko peuple congolais tozo longola pe bangote ben ça fait que notre pays batuna bazo considérant suffisamment en plus du fait que bon il y en a qui ne visent que leurs intérêts et qui à la limite nos états d'âme ils en ont rien à faire voilà. Voilà, Nalina, Nasu qui s'appelle na question Oyo, Yango Peza, Eza Actualité, Eza journée à 6 avril. 6 avril, justement, ordonnance présidentielle et commission Mokolowana ya 6 avril, journée fériée, simplement parce que il faut qu'on commémore le combat ya prophète Simon Kimbangu, Oyo Boyebi, Aza parmi ma précurseur, na combat ya résistance contre Mindele, et puis Likambo Etali, conscience africaine. Alors, décision en a, il y a Tata Mokonzi Ekolo, et sa conséquence, il y a promesse à Salaki Nankamba, il y a de cela quelques années, à Kendaka Nankamba, na Congo central, à Lakiba Kimbangista, Singaka na deux chambres, il y a parlement, bata la dossier, on a faisabilité na Yango, mais après plus d'une année, et l'eau comme on est limité, et cette fois-là, c'est une ordonnance présidentielle instituée, et l'eau qu'on est coticidat, ou on a parmi ba férié. Alors, analyse na yo, jugement na yo, et zanini par rapport à la décision Oyo de Kotiseke Diazui. Et je rappelle même que Batmoussou Balobi va rappeler qu'au regard de la constitution en Bokanabiso, nous sommes un État laïque. De Koka Lundi, on a concernant date ou ana, date ou le 6 avril, des commis fériés en hommage à Simon Kimbangu. Bah, personnellement, je pense que c'est une bonne chose parce que au-delà de l'aspect purement spirituel, Simon Kimbangu azaki quand même moto azoko bunda pour la liberté ya biso enfin ba congolais hein, ou même ba africain et donc ne fût-ce qu'à ce titre-là n'importe quel congolais ou même certains africains peuvent se reconnaître dans son combat et ndenge papa ngwana za rôle Simon Kimbangu azala ki prophète pour la biso en tout cas azala prophète ya libération ya Congo et je pense que tout le monde peut se sentir concerné par rapport à sa démarche, par rapport à sa vision pour Nambou Kanabiso, au-delà, à part même son aspect, l'aspect purement spirituel. Et donc, à ce titre, je pense que c'est bien d'instituer une date comme celle-là, puisque ça permet que même Banamike, n'importe qui, Bazoye Loko la référence. Hein, par rapport à Makambo Ezoleka, la République démocratique du Congo, et état d'esprit où il y a Zalek Nango, il y a Kobunda, pour la souveraineté, pour l'émancipation, pour la liberté, etc. Et ça, état d'esprit où il y a Congolais Nyoso, de mon point de vue, Sengeli Nango. Donc, co-instituer une date comme celle-là, et qu'on a là justement occasion pour que chaque année, tout ça en sorte que et à un moment il y a qu'on mobiliser bande konabiso pour que conscientisation en a et qu'on tape na mitoa ba congolais nyos donc bon voilà je pense que c'est plutôt une bonne chose et mais bon voilà ce que j'espère surtout c'est que Kimbangu espère Kimbangu kota na mitema ba congolais ebele état d'esprit où il y a ya kobunda po na mabele na biso et kota na mitema ba congolais nyos même. Et ce sera une bonne chose pour nous dans la phase où tout ça y est, il y a Rubunda pour la libération totale et un beau cannabis. Voilà, merci madame Candide Okeke to komina suka ya masolo na biso ya mokona lelo o nazala ki ngai mokote na partajaki justement rolwana nande konanga confrère Dosta Kimbandia akoza na maloba suka. Voilà, ngai par contre, Nassengi, merci pour la disponibilité, invité Nabiso, elle sera toujours présente à chaque fois que vous l'oukakaye. Et puis, merci plus la considération, la bonne collaboration de votre part. Où ils a donné pas battu nos côtés. Les lots na Congo battu nos parents bakobanga. Yé azara mutuya. Yé yaza pro IDPS. Ogun azara pro Kingakati. Et puis keba na ba journaliste musubaruma ko utiliser bango. Toti anaka ba poison. To inanaka. To mi livraka. Les lots babeti bosembe. Hier ils a quitté Touradosta. Des mois après, demain, vous appelez Touraja Kalonge. Donc, merci pour la conscience professionnelle. Mm-hmm. Et
C'est pour le service rendu, n'a pas avant de quoi balader à Bissau. C'est un plaisir, ma casse. Merci. N'a deux tabou et bien ça virulent. Ce qui a un rôle, il y a invité. Il sera fait une équipe qui invité. Mais les lots, il est plus tendre. Hein. Voilà que, à jouer un rôle, naïe, malamou d'Osta, confrère, encore une fois. Merci. N'engue aux Arakina Bissau. Merci également, madame Candido Keke, responsable. Je rappelle, il y a une structure résistance congolaise depuis Paris. Olingaki Kozoa, tant naïo pour n'avoir répondu. Peut commenter actualité à la République démocratique du Congo. Na évite sous un lilo bamususu ya sukoko ko bakisa ya mboto tosilisa. Merci Ndeko Kalonji, merci Ndeko Dosta, merci pour na émission lilo, merci na balandignoso ya DRC Info, balandignoso ya Valeurs RDCN, pe ya Dosta TV au bakozwa ngonga na bango pour na Rolanda Biso. Na mokola elo bandeko seka TV pe CCTV lokola eloko na koko loba pona kosukisa lelo eza surtout que bandeko na biso tozala tolongo na distraction na yebi ke bato mingi bakomi ko repeta ngo mais biso nso foto insister là dessus tolongo na distraction chaque jour ba binemi na biso bazo poser ba acte tozo lokota bibembe ya bana mboka tous les jours. Alors esengeli biso pe tokoma na phase ya ko réagir ya ko agir et pour ça, nous devons nous organiser. Nous devons nous identifier et nous organiser. Et qu'on s'identifie, et ça, bah, tout n'y a pas de que nous avons été occupés, bah, après, pour nous, la libération, mais dans il y a soulèvement, bah, on est tout au sein. Bah, nous sommes bêtes à ma solo à l'élection, mais les lobes à l'élection, comme une angoisse hypothétique, bah, au vendre, bah, au vendre d'année, mais la réalité, c'est que nous là au bas, qui est en mabé. Pour le temps que beaucoup manaba élection na bango bazo enrôlé bazo côte sa sous ba rwandais mususu na kate ya ba institution na biso etc et tout ça là ezo compliqué biso situation donc bazo côte sa misisa na bango à chaque élection que nous avons dans notre pays bango ça leur a permis à côte sa misisa na bango de plus en plus et c'est à dire que ça nous complique encore plus la situation et ceux qui de l'autre côté ont tendance à la balkanisation c'est justement parce qu'on a aussi perdu le temps avec ces élections là. Papa Nguanda a dit que ceux qui ont le bito qui sont sous l'élection, le temps tokomakuna, le Congo ne sera probablement plus Congo. Alors, quand on a déjà une épée de Damoclès comme ça au-dessus de la tête, on ne s'amuse pas. Au lieu de mobiliser, pour le soulèvement, il y en a qui ont distrait la population. D'abord, Makambo Seni, Nakadima, après Koko Mao, Nini, il faut l'élection, l'élection, etc. Mais tout ça, c'est une perte de temps. Hein? C'est une perte de temps. La preuve en est, il n'y a même pas d'élection. Tout ce qui a été fait là, c'était quoi? C'était une perte de temps. Alors, maintenant, il faut que tout le monde puisse se ressaisir et qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel, à savoir acteni toko poser pour retrouver souveraineté Nabisso. Et pour ça, nous avons forcément notre point de vue. Et ça que Félix Tshisekedi, il faut plus Azalawana. Pour Aza, au cœur, il y a problème au Tosana Ngolelo. Ba accord au Kabila Tikaki au ya Longolité ba accord au Mokwa Keko signé en complicité na parlement na biso au bazo interpellé pour na ngote bazo sanctionné été bazo sa le côté donc bango nyonso on a bien compris il représente le régime d'occupation qui est là bango nyonso faut bakete. Alors nous devons travailler dans ce sens là sans état d'âme tentative il y a victimisation il y a séduction parce que ce botali makambo le 6 avril c'est une tentative de séduction à Félix Tshisekedi parce que ce qui vraiment azaki mutazaki na souci à Kimbangu akoka jamais ko sala makambo ya saluana ya ko zamboko na biso ya kotika ngona na maboko ya bapaye et ce qui bango la baza ko sala makambo na bango oui ba bengi ba nani bosembe ba yoko beta e ba malmené etc mais bango bazo bosse ba chaque fois ba bosse na raker na quand je dis ba ça dit que Félix Tshisekedi na bato bazo soutenir ye parce que je comme je l'ai dit tout à l'heure bosembe aza parmi bato yo baza pour soutenir Félix Tshisekedi et ben ba bosse na ka un moko que ba violence mususu bango moko bazalaki na contre ba peuple congolais ezotika ba trace il y a des violences verbales il y a eu même des violences physiques il y a des images je sais pas si vous vous souvenez même un policier qui avait été lynché hein, par Batoyi Depes na manif moko bazalaka wana mais justice était là au salamaté hein Batoyi Depes mususu même bazalaki ils ont été victimes il y a ba exaction mususu justice et salami karaté Félix Tshisekedi a dit qu'il ne finirait pas ya Kabila soki ba yibi soki ba sanine bazo tika bango hein donc voilà un peu rôle Tshisekedi a eu joué na kati ya République démocratique du Congo mais il est devenu un problème. Alors pour résoudre le problème de la République démocratique du Congo
et ça veut dire que Félix Tshisekedi est na batunaye ba complice naye ba ngonyo sofo bakene. Alors nous devons travailler dans ce sens-là, dans le sens il y a soulèvement populaire pour tout si ça makambo. Ingeta. Voilà, merci encore une fois na bande ko belé au balandi biso cette émission bakolanda yango na DRC Info et TV na Dosta TV évidemment toutes les chaînes partenaires au bazako les chaînes partenaires entre autres CCTV OK et puis Canal King Télévision voilà, ça vous permettre rendez-vous et joie mi je crois que bakolanda émission oyo merci au revoir.